Bonjour tout le monde. On est arrivé à Picam. Ouais, attendez. C'est un stream. Voilà. Voilà. Salut Omikami, ça va? Tiens, pendant que j'ai pas commencé. Je vais te montrer. Ma collection de Lego. Tiens. Déjà. Attends. Ouais. Là. Et puis la grosse bête là-bas. Attends. Ouais. Voilà, et puis normalement, attends, est-ce que on va pouvoir voir, non, on voit pas là-bas, bon, voilà. Ouais. Yep. Hop, c'est parti. Go. Donc, ouais, je suis arrivé à Picam et puis Trod il s'est fait piquer son chariot. On va le récupérer chez Ruby. Voilà. Oui, c'est la version PS2. C'est ça que j'aime bien dans le jeu en fait. Ça marche. C'est parfait. Allez, un petit coup. Parlex. A plus, Toptique. Attends. Okay. Très exactement. Ok, par là-bas. Ouais, j'adore Jessica au fouet, c'est puissant.
maintenant. Ouais, bon. Un banc, ça serait mieux. Pourquoi j'ai fait défense? Sans pitié. Et on prend un grand balayage sur eux. C'est ce que j'ai fait un peu avant le live. C'est pour ça que tous mes persos sont pratiquement au niveau 20. Ok, salut Az. Ils ont la gueule. Enlever ma tension ou quoi? Apparemment.
Ouais, il m'a baissé mon niveau de tension. On va faire un petit coup. En bas au niveau de la plage. Directement par Ribi. Après c'est un peu loin. Voilà. Il m'a bien volé mon chariot. Ah mais déjà.
te porte pas, t'es un méchant, t'as volé ma médaille. I need to speak with Red. You're gonna have to let us through. Yeah, I guess. You think Red's gonna wanna see your ugly muss? Oh, get out of here! Hop it! Don't you boss me around, mate. I ain't going nowhere till I see Red. So shift, Skivvy. Skivvy? Who the hell do you think you are? What's all the noise? I can hear your gabbing from in here. Oh, sorry, boss. I got some geezer with no manners out here. He'll be gone in a mo. It's Yangus, isn't it? Just let him in. I'll speak to him myself. You heard the boss. Go on. Inside with you. Bon, fouillons. Ah, je fais pas. Sachit un magazine bijoux de famille. On dirait une édition spéciale portant sur des bijoux très rares et très gros. Le plus recherché, le cœur d'Argon, la larme de Vénus et le rubis de crâne. Les pages sont usées et se détachent. Quelqu'un a dû lire ce mail et relire ce magazine des dizaines de fois. Don't often see your face round these parts anymore, Yangus. So, what brings you here? It's like this, Red. You bought an horse from the black market drum in Pickham, right? Well, it belongs to this bloke I'm travelling with, see? Someone pinched it off him and then sold it on. That's how it came to be in the shop. I ain't gonna beat around the bush. I need it back. I'll pay whatever you want for it. Name your price. Straight up as usual, eh, Yangus? I like that about you. But I'm not selling that horse. She's a quality mare. Toes the line and she's got a decent coat on her. You know how much I like quality. However much you're willing to pay, I am not parting with it. What? Not for nothing? Look, it ain't for me. It's for me mate. I've got to get her back. I'll do it. Oh, interesting. Never thought I'd hear words like that coming out of your mouth. Must be a good mate, eh? All right then, here's what you're gonna do. I'm sure you haven't forgotten the cave just north of here, right? Just bring us the jewel that's hidden in there. You know. The Venus Tear. What? Not that. You know I've been in that cave before and... You just said you'd do anything I want. You're gonna welch on that now, are ya? Just bring us the Venus Tear. Then I'll think about the orbs. Okay. Thank you.
avant ça, je veux... Qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Il n'y a pas quelques coffres. Un coffre au loin là-bas. La clé adaptée. Elle n'est pas ici. Thank you.
Ah, j'ai même pas la clé. Déjà.
Ah ben voilà. Une vache pour faire du lait. Du fromage. T'arrives pour le donjon, Az. Je suis en train de crever.
De pierre. On va y aller. Hop. Normalement. Normalement, c'est mon point. Voilà. C'est bon, je l'ai. Qui va me permettre de d'en avoir moins plein la gueule
Pas tant que ça. Je vais me réveiller un peu tout avant d'y aller. Neuf. Hop, téléportation. There's the chest. The Venus tear is supposed to be locked away in that. Must be a real gem. This ain't the first time I've had a bash at this place. Ain't never managed to get as far as the chest, mind. But I ain't doing the op without it this time. We're gonna get that Venus tear. Allez, go. Ce labyrinthe a été créé dans le but de protéger la lorne de Vénus. Seuls ceux qui étaient la sagesse et la force atteindront la véritable gloire.
turban. Normalement, il doit être dans le sac. Il y a deux coups de femme en plus. Franchement, car ils n'arrivent pas à le décider. Ça, je sais, c'est... non, c'est pas possible du tout pour moi. Je suis désolé. Couleur pour ça.
Une canne de magie. Sur la mise.
vraiment excusez-moi pour les l'atout.
lui. C'était le coffre de tout à l'heure. Oh non, même pas. Ah. C'est un piège. Je crois ça. Thank you.
c'est là. Ouais, ça ne va pas. Ok. Ok, c'est sur cette truc. Vous vantez d'avoir eu la sagesse nécessaire pour essayer de gagner des épices, vous devez maintenant prouver votre force. Si vous venez à bout à manquer de courage, vous pouvez battre en retraite dans le trou qui se trouve derrière vous et quitter ce lieu. Bienvenue vous qui cherchez l'alarme de Venice, vous deux. Votre dernière épreuve va débuter. Merci de me réécouter. Et puis ouais. Thank you.
This is it, eh? The Venus Tear. You beauty. You know, Gav, last time I tried to get this stone, I'd done it for Red. Now we're just rivals, I guess. But I actually used to have a bit of a thing for Red. Back in them days, she wasn't a scary old bird like she is now. And I was well green. So, I thought I'd get her the Venus Tear to impress her like. But I ended up doing myself an injury, and I had to leave it. Never thought I'd end up getting it like this, though. I wonder how it would have all turned out if I had got it back then, eh? Anyway, just me old words. Would you mind keeping this to yourself, Gov? Ain't the kind of thing you want going around. Okay. Directement. Thank you.
There, I've got it. The Venus tear. Now that is quality. Oh, yes, this is the real deal. Well, Yangus, you excel yourself. Now, hand over the awesome car, like you promised. I never promised that. I said I'd think about it when you bought me the goods. And I've thought about it now, and I'm still not giving it back. You can keep the stone. Oi, that ain't what you promised. That's a pretty low trick, Red. I'm surprised at ya. Promises? You want to talk about promises? If I remember rightly, you promised me ages ago you'd bring me that stone. What? That was years ago. You can't dredge up the past like that. Well, you're in no position to argue. I ain't saying it again. The horse stays with me. Yeah, right. I was out of line before, breaking me promise to you and all. I ain't surprised you're act off with me. But this ain't just about me now. I can't leave without the horse. It's for the guff. Look, do what you want with me. But I'm begging you, give the horse back. Hey? Oh. All right, behave, would ya? Stop grovelling about on the floor. Be a man. Well? I thought I'd have a bit of fun with you, but you've lost it. Have the horse. Do what you want with it. But I'll be keeping that Venus tear. That's what we agreed, right? Yeah. Fair enough. Thanks, Red, and sorry about everything. Oh, for crying out loud. Pull yourself together. We're done here, right? So go on then. Hop here. Okay. Red told me to get the horse out for you before you got here. Looks like she knew you'd come up with the goods. She must rate you. Oh dear, what a terrible ordeal you must have been through. I'm so sorry. I won't leave you alone again. I'll never go to the pub like that again. I promise. Cool, blimey! Well, we're ready to leave whenever you are. What's our next destination? How about trying brains again? Maybe the old geezer will be around to give us some intelligence this time. Let's head back to Pickham. We've got to find out where Dolmagus is. Otherwise, we'll just be wandering around like headless chickens. It would be no hardship to me if I never ever set foot in Pickham again. But I suppose we have no choice. Je peux faire des trucs avec la charmite.
pas y en avoir. Deux haches, deux pierres, ça fait quoi? Vous avez réussi à faire en sorte que Ruby vous rende votre cheval, vous êtes soudainement persévérant. À propos, ce ne serait pas une alchimie que j'ai vue dans un chariot, hein? Oui. Je le savais. Pour être honnête, c'est la première fois que je renvoie une. Désolé d'avoir vendu ton cheval comme ça. Laisse-moi me rattraper. Ça te dirait de faire un peu d'argent? C'est pas du commerce ordinaire. Moi, j'achète des gens, choses aux gens et je les revends à d'autres. De temps en temps, j'ai mis la main sur des objets exceptionnels. Sans m'en rendre compte, je me suis fait une sacrée réputation. Maintenant, mes clients ne sont plus intéressants par la camette habituellement. Et c'est là qu'intervient cette petite alchimie marmite bien pratique. C'est ce que je te propose. Quand je rentre en parler d'un objet qui est un peu, je te le commande et tu le feras dans l'archimie marmite. Quand tu me l'apporteras, je t'en donnerai à bon prix et je te l'échangerai contre un autre char que j'ai en resserre. Alors c'est alléchant, je veux dire, on peut pas refuser pareil offre. Hein. Essayons ça pour se mettre en jambe. Tu peux me préparer un mets spécial. Quand tu as fini, tu reviens avec la marchandise et en échange, je te donne 500 pièces d'or. Eh bien, qu'en penses-tu? Oh, et avant que j'oublie, même si tu veux pas les vendre, apporte tes trucs que tu prépares, que je puisse y jeter un œil, je te revaudrai ça. Et tu n'as toujours pas réussi à faire, à préparer un remède spécial. Écoute, même si tu ne veux pas échanger, tu devrais au moins y jeter un coup d'œil. Ça vaut le coup, t'as ma parole. Et cela va sans dire, ouais. C'est pas un remède spécial, c'est un remède puissant, pas spécial. Ok. Mais pour l'heure, il faut que j'aille voir le doc.
Hello, Brains. Long time no see. Back at last, eh? Well, well, look who it is. You came when I was out, did you, Yangers? I'm sorry I wasn't here. But you're back again. So, if I'm not mistaken, you must be in need of some information. Am I right? Always on the ball, eh, Brains? We're looking for this bloke who looks like a clown. Goes by the name of Dolmagus. He's a slippery customer. Keeps getting away from us. Have you heard anything? Yes, I've heard about him. The criminal responsible for murdering the abbot of Maella Abbey, no less. My sources report seeing him walking over the surface of the sea toward the western continent. The western continent? That's a bit hazy, isn't it? Can't you be more specific? Sorry, that's all I know. I wish I could tell you more. Well, if you don't know nothing more, Brains, there ain't nothing more to know. We'll have to go to the western continent ourselves. A fine idea. But aren't you forgetting something? How do you intend to cross the sea? Eh? Monster attacks at sea have been significantly worse recently. All crossings from here and from the northern continent have been cancelled. You could go if you had your own ship, but unless I'm misinformed, you don't. I'd say that will pose quite a problem. Yeah. I hadn't thought of that. No, I can see that. Well, perhaps I can help you out there with a little snippet of information I heard. Follow the cliffs along the coast to the west from Port Prospect, and you will come to a wide open wasteland. According to what I hear, there's an old abandoned ship there. I don't know why a ship should be in a place devoid of water, but anyway, people say it's a magic ship. If you could get it up and running again, you'd be able to sail anywhere you wanted. You might want to try the path to the west of Port Prospect. It was blocked by a rock slide. But I hear that's been cleared up now. Ok. Donc, prochaine décision, nation, le désert. Mais avant ça, j'ai un petit truc à faire. Allez à l'Antonia. Il y a une femme le jour. Comment peux-tu ton être ouais le grand qui disait revenu au sommet de ton art. Il m'a aidé à trouver la bague, mais ça marche pas. Par contre.
Kader Racha nous a dit que si nous apprenions où se trouvait la bague, Soa nous rentrait tous les deux au trésor. Il a dû le lire dans mes yeux. Il savait que si elle le découvrait, nous serions volants d'ici. Peut-être que ce n'est pas un imposteur finalement. Ok, la bazar. Oui. Nana te montre la bague au ministre rien. C'est la bague. C'est comme... Mais comment avez-vous? Non, c'est impossible. Elle ressemble seulement à celle que j'ai perdue. Et ça n'est pas la même. Mais s'il vous plaît, ne parlez pas de ceci. De ça, à mon épouse. Je vais vous donner ceci. Une graine de sagesse. Que je vais donner directement à... une acharmarmite de niveau 3. Je vais donc arrêter ici et puis à la prochaine pour la suite. Oui, je crois que ça sera dimanche ou peut-être demain soir. Avancer un petit peu.